Hello tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Est tellement calme. Rien que l'horizon. Profites-en. Hé, Moussaillon! Encore à ton poste? Quelque chose à signaler? Une île, peut-être? Pas encore. Mais c'est si beau! Les couleurs changent tout le temps. Et j'ai vu des gros poissons. Peut-être même un dauphin. Fantastique! Dérange pas que ta vieille sœur reste avec toi. T'es pas si vieille. Et dis-moi, comment Sophia fait pour savoir comment aller à la Kuna? Avec des instruments, probablement. Il y en a sûrement quelque part. On peut lui demander? Oui. Bonjour. Il est beau, ton bouclier. Il fait son travail. Il m'a sauvé plus d'une fois. J'aime bien l'oiseau dessus. C'est un griffon. Moitié lion, moitié aigle. Donc tu as à moitié raison. C'était mes armoiries. Le courage et la ruse. C'est tout moi. Nos armoiries, c'est un arbre. C'est aussi un bon blason. Force, stabilité, sagesse. Oui, c'est tout à fait nous. Allez, viens, Hugo. Il est drôle. On dirait un ours. Salut. Hé, hey, les enfants terribles de la tempête. La mer. Rien que la mer. Tout autour. Comment c'est possible? Autant d'eau? Eh ben c'est... En fait, j'en ai aucune idée. Mais c'est une bonne chose. Oui, parce que ça nous emmène à la Kuna. Je crois que quelqu'un a une question. Comment tu connais le chemin vers la Kuna? La mer est tellement grande. C'est simple, les sirènes. Elles connaissent toutes les routes. Quoi? Mais elles sont où? Est-ce que je peux les voir? Elles sont timides, tu sais. C'est pour ça que j'ai aussi des instruments et des cartes. C'est assez technique, mais je suis plutôt maligne, alors. Oh, oui. Les sirènes, c'est un meilleur moyen. Ça te dérange si on jette un œil à tes instruments, Sophia? Non, mais les cassez pas, ou je vous jette par-dessus bord. Je suis sérieuse. Ok. Ça sent bizarre. Oui. Ça sent comme... Cette arbalète nous a sauvé la vie. On serait pas ici sans Joseph. Il serait content de savoir que tu l'as. Oui. J'essaierai de m'en montrer digne. Donc ça sent comme l'arbalète, d'accord. C'est la mer Méditerranée. C'est joli. Et utile. Tu vois, Sophia l'utilise pour trouver la bonne île. Hé, regarde ça. Waouh ! C'est un diamant ? Je ne pense pas, mais c'est forcément précieux. N'y touchons pas. Alors, je crois qu'il peut rien avoir par là. Dans la cale. Waouh ! C'est vraiment à elle tout ça ?
Sans doute, oui. À moins qu'elle l'ait volé à son équipage. Hé, hey, regarde, une boussole. Je peux la tenir? Oui, mais fais attention. Elle est lourde. Cette aiguille indique toujours le nord. Elle bouge quand je bouge. Dans ce cas, arrête de bouger. Voilà, l'île est au sud, c'est ça? C'est justement par là qu'on va. Je peux la garder pour jouer? Oui, mais ne la casse pas, hein. Sauf si tu veux affronter Sophia. Alors, on a fini d'explorer le bateau. Allez, monte. Oui. Hugo et Amicia, au rapport. Oui, on est là. C'est... Écoutez tous, je suis le capitaine de Rune et je dis qu'on doit aller au sud. C'est la boussole qui l'a dit. Vous devez obéir à la boussole. La boussole, notre seigneur et maître. Alors, il a survécu aux flammes. Oui, il en faudra plus que ça. Il a survécu à l'Espagne, la Bourgogne, même la Guyenne. Mais de justesse cette fois. C'est là qu'il s'est cassé? Oui. La seule fois où il n'a pas su... protéger. Toi? Non. Quelqu'un qui portait le même blason que moi. Oh. Je vois. C'est... un souvenir encore douloureux. Certains souvenirs ne se laissent jamais oublier, petite. Je comprends ce que tu veux dire. Continue à veiller sur ton frère. C'est ça qui te sauvera. C'est déjà le cas. Hé, hey, vous deux! La voile penche à bâbord. J'ai besoin d'aide. Va tirer sur la corde de l'autre côté. Je vais donner du mou sur la mienne. Oui, compris. Ah, pas celle-là, celle-là. Je suis nulle en navigation, hein, qu'on se le dise. Je m'en charge. J'adore faire ça. C'est bon de mon côté. Arnaud? Moi aussi. Bon travail. Et ensuite? Salut. Cela doit être exaltant de piloter un navire. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y, essaie. Oh, Allez, tu risques pas de nous faire couler. Alors? C'est incroyable. Tu ressens la mer, la liberté. Merci de nous aider. Remercie Arnaud, c'est pas dans mes habitudes. Oh. C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. Ça n'excuse rien, mais... Amicia! Amicia! Oh, le devoir m'appelle. Désolée. Pas de problème. Merci. Amicia, viens! Là-bas, je vois quelque chose. Ah ouais! C'est l'île! C'est la Kuna! Exactement comme dans mes rêves. Merci. Quoi qu'il y ait là-bas, on le trouvera ensemble. Comme de vrais explorateurs. Oui. Tu sais, c'est pas très grave si je meurs. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le magistère Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Seigneur, non, Hugo, je suis désolée. Ça n'arrivera pas. Sois pas triste. Je suis content d'être ici. Je m'amuse sur ce bateau et... j'aime bien Sophia. Et Arnaud, même si toi tu l'aimes pas.
Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on n'allait pas tarder à accoster. J'aurais besoin d'aide. Alors, venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. C'est trop triste. Bonjour. Allez, tout le monde, par ici. À mon tour. Moi, je reste. J'ai deux ou trois choses à faire ici. Je vous rejoindrai. Bien. On va faire un tour avant la nuit. Et trouver où dormir. Bonne idée. Et au fait, ici, vous êtes sur les terres du comte. Sois gentille. D'accord ? D'accord. On va essayer. Bienvenue à la Kuna. Voici pour toi, mon enfant. C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. Eh bien, nous avons un nouveau roi. Hugo le Juste. En effet. Pendant les jours ardents, tous les enfants sont rois. Exactement comme l'enfant des braises qui veille sur notre île adorée. Ta présence est une bénédiction parce que tu es notre avenir, tout comme lui. Car il nous délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Bon séjour. Profitez bien des festivités. Merci. Au revoir. Bon. Ça commence plutôt bien, non ? Je me demande ce que l'Église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Prie pour que nous aussi. Allez, venez, Votre Majesté. Bon, alors comme d'habitude, on va essayer de récolter... C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau, ouais. Mais maintenant, il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Le marché est au bout de la rue. Il vaut le détour. Allons-y, vite. Oui. Alors, comme je le disais, on va essayer de trouver tout ce qui est à ramasser, des collectibles. Il faut en décharger d'autres ? Oh, plus tard, j'en peux plus. Pareil. Le marché est infernal cette année. Ouais, on bouche le chemin, c'est qu'il n'y a rien par là. Hey, une minute. J'ai entendu à propos de son rêve et... Je voudrais vous aider, mais il faudrait me dire ce que vous cherchez. D'accord. Alors, c'est... C'est un peu étrange, mais... Eh ben... Vas-y, Hugo. Oui. Dans mon rêve, je me suis réveillée sur une plage et j'étais malade. Et j'avais peur. Mais un grand oiseau est arrivé et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir, mais l'oiseau m'a montré de l'aube qui m'a guéri. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. Bien. Oiseau, arbre, eau. Ça pourrait être n'importe où. Mais c'est un bon début. On peut aller demander au marché. Allons-y. Let's go, alors. Couleurs.
de parfum. Amicia, est-ce qu'on peut parler aux gens de mon rêve? Tu ne devrais pas leur dire que c'est un rêve. Et n'interroge pas trop de gens. On ne sait jamais. D'accord. Alors, je vais demander. Alors, on va déjà faire le tour. Tout droit venu du jardin de notre mère. Le festival de cette année semble plus animé que d'habitude. Je pense qu'il y a deux fois plus d'étals que la précédente. On va aller par là. Il me fait étrangement penser au marché qu'on a fait dans les premiers épisodes. Qui en veut ? Des beaux tissus magnifiques apportés lors des jours radieux. Bonjour, monsieur. Ah, là. Est-ce que vous... Il y a un étang magique ici, avec des oiseaux et des arbres. Je suis pas d'ici, vous savez. Je suis juste là pour le marché. Vous avez peut-être un oiseau? Eh bien, merci, monsieur. Je vous en prie. Bon. T'es aussi subtil que t'es grand. Hein, quoi? Allons voir le reste. Donc là, il n'y a rien. On va repasser par le centre. Si madame veut bien me laisser passer. Bonjour. Bonjour vous. Connaîtriez-vous une plage où on pourrait trouver des oiseaux exceptionnels? On est sur une île alors. Les oiseaux, c'est surtout des mouettes. Pas vraiment un oiseau dont on rêve, je dirais. C'est les saletés de voleuses, je vous le dis. C'est pas une mouette. Allons-y. Hé, hey. Merci, monsieur. Que votre jour soit radieux. Le vôtre aussi. Il sait rien du tout. Au moins, il connaît les mouettes. Sois patient, Hugo. Donc là, il n'y a rien. On va regarder par là. Il y a quoi par là? Des chèvres! Tu veux leur dire bonjour? Elle est gentille. Bien sûr qu'elle l'est. Vas-y. Ah. Allez, n'aie pas peur. Elle s'appelle comment? Lucinda. T'es une gentille chèvre, Lucinda. Elle t'aime bien. C'est vrai? Ah, ça veut dire je t'aime, mon chèvre. Tout va bien. Elle m'a crié dessus. On dit bêlée. C'est comme ça qu'elle parle. C'est une chèvre, tu sais. Les chèvres sont comme ça. Bah, c'est pas gentil. Tu as eu peur, c'est tout. Allons-y. Merci, monsieur. Ah! Au revoir. J'avoue que elle m'a fait sursauter, moi aussi. Ce serait un bon moyen de désorienter l'ennemi. J'ai hâte de t'entendre bêler au combat. La prochaine fois, peut-être. Ok, donc on a réussi à obtenir un souvenir. Lucinda, la belleuse. Non, plutôt Lucinda, la silencieuse, pardon. Donc là, on a fait le tour du Tu savais que les chèvres avaient aucune dent de devant? Comme certains de mes hommes. Donc on a été là. On ne peut pas passer. Oh, ça fait des heures. Soyez patients. La voie doit rester libre pour le moment. Ils apportent des marchandises sur la grande place. J'ai hâte de voir le reste. Moi aussi. Ils se surpassent chaque année. Alors, ça continue par là? Le village s'étend jusque là-haut. On va devoir tout explorer, alors. Dis donc, les gens, vous m'embêtez un peu, là. Là, je peux rien demander. Là, on a déjà été. Ok. Bon. Essayons de nous renseigner ici. La cérémonie de demain s'annonce grandiose, ma chère, croyez-moi. Il n'y a rien. Vous m'embêtez un peu, là, dans mon passage. Tout le monde. Si vous voulez toujours aider, on a besoin d'un coup de main pour la fête de ce soir. Attends, est-ce que j'ai vraiment été jusqu'au bout du bout du bout?
On va pas aller plus loin. Arnaud, tu m'embêtes quand même, hein. Bouge. Bonjour à vous. Bonjour. Nous venons d'arriver et nous avons entendu parler d'une plage qui serait proche d'un étang. C'est très précis. Quelqu'un connaît ? Désolé, ça ne me dit rien. Moi non plus. Il y a aussi un grand arbre. Eh bien, l'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Bien, merci quand même. Je vous en prie. Donc il faut que nous nous rendions vers le plateau. Pourquoi ils savent pas ? Les rêves sont les contes de l'âme, demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander. Ah, des plumes. Qu'est-ce que c'est ? Celle-ci est simple. Ah ! Un rapace, je pense. Amicia, plutôt petit. Des prédateurs rapides, diablement malins. Ça t'irait très bien. Voilà. Tu as fière allure, petit. Diablement malin. Un vrai petit prédateur. Bon, bah on a obtenu aussi une plume du Milan Noir. Parfait. Oh, c'est magnifique ce qu'ils ont fait de cet endroit. Tu te souviens quand tout le monde partait pour le continent ? Oui. Bon. À un moment, j'ai bien cru qu'on serait les derniers habitants du village. On a fait le tour du marché, là. Je sais pas trop où aller maintenant. Et le plateau, je sais pas trop où il est non plus. Peut-être que là-bas, ça s'est dégagé, on va pouvoir y aller. Les danseurs et les musiciens sont en place. Les festivités vont commencer. Approchez. Ha, j'ai hâte de voir ça. Allons-y. Oh, Amicia, on peut y aller aussi. Ouais, bonne idée. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici ? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. C'est clair. Jeu d'adresse ! Venez mesurer votre adresse ! Ah ! Un jeu ! Allons jeter un œil. Comme dans le premier. C'est gratuit ! Tentez d'attirer la faveur de l'enfant des braises ! Bien le bonjour. On peut jouer ? Bien sûr, c'est simple. Lancez un pot dans chaque couronne. C'est fini quand vous n'avez plus de pot. Ne faites jamais deux jets dans la même couronne, compris ? Bien, voyons comment je m'en sors. Tu vas gagner ! Alors ? Le contraire me décevrait beaucoup. Chut, j'essaie de me concentrer. Il faut trouver, voilà, le point où... Oui ! Voilà. Oui. La... Je suis si fier de toi. Le curseur oh, de... No. Ah, le bon curseur début. Devient... Centrale. Ça m'embête. Ah, voilà. Oui. Voilà. Continue. Détruis-moi ces couronnes. Alors, ensuite, celui-là. Très impressionnant. Ouais. Bouge pas. Bon, je tente, hein. C'est du beau boulot.
J'espère que c'est un bon présage. Merci. T'es trop, trop forte. Ces couronnes n'avaient aucune chance. Voilà, donc c'est vraiment la troisième couronne. Il faut vraiment viser un chouïa au-dessus du bord inférieur vers le milieu. Et le reste, il faut vraiment trouver un point sur la couronne afin de pouvoir ensuite mettre le viseur sous la couronne pour pouvoir lancer à travers. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Il y avait pas tout ça dans mon rêve, mais j'adore cet endroit. On se croirait dans un rêve, c'est vrai. Certaines îles sont de vrais petits paradis, mais elles restent fragiles. Oh, alors, c'est déprimant. Ils sont là. Ils vont sûrement commencer bientôt. S'il te plaît, Lucie, suis le rythme, d'accord? Pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie. Mais pas autant. Bon, on se concentre. Ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi. C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux? Je sais qu'ils répètent depuis des mois. J'espère qu'ils vont encore traverser la Grand Place. C'est le meilleur moment. Au fait, qui est cet enfant des braises? Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. C'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Est-ce qu'il est magique? Pardon les gens. C'est un dieu. Un dieu païen. Et pacifique. Oui. Alors, là, il n'y a rien. Hambale, hambale, hambale. Amicia, des danseurs. Oui, je les vois. Tu sais comment ça se danse, Arnaud? Tu m'as bien regardé? Oh, on sait jamais. J'aimerais bien te voir danser. T'as 30 ans de retard, mon garçon. C'est clair, on sait jamais. La marche de la dévotion a commencé. La procession arrive. Amicia, vite. Béni soit l'enfant de Pardon. Thèse. Béni soit la reine. Bonjour. Ah, bonjour. On arrive juste à temps. Waouh. Dis, est-ce que tu voudrais les bénir avec des fleurs? Je leur en jette, c'est ça? Exactement. Je fais comme ça. Béni soit l'enfant. Attends, je vais bénir les danseurs aussi. Oh, Seigneur. Voilà. Merci. Excusez-le. Oh, ne vous inquiétez pas. Ça venait du fond du cœur. Maintenant, sûr. Ils sont bénis pour de nombreuses années. Pardon. Un petit sauvage, gamin. Venez, suivons le défilé. Bien sûr. Allons semer la pagaille autre part. J'aime bien bénir les gens. Ils sont par là. Vite, vite. Calme-toi. On va les rattraper. Béni soit la mer. Oh, un attroupement. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Elle devrait déjà être là. Désolé, sire. Très bien. Oui. Comme vous le savez, je n'aime pas les discours. Émilie, votre prêtresse, sera bientôt parmi nous. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ces jours ardents. Les mots d'une mère. La mère du vénéré enfant des braises. Cet enfant qui protège ces terres sacrées... C'est lui. Viens. ...du fléau des rats et de la guerre. Les rats. Non, attendez. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que c'est le comte, Amicia. On avait un marché, à Peltera. Attends, quoi? C'était ça, ton marché? Tu m'as sauvé pour qu'il assassine le comte en échange? T'es vivante, il y a un prix à payer. Non! Tu ne peux pas profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché, Arnaud! On est venu ici pour lui. Tu ne gâcheras pas tout. Mais merde, j'ai pas besoin de vous. Non! Arnaud! Je le savais. J'aurai ta peau cette fois! Je me charge de lui! Attrapez la fille! Quoi? Non, pourquoi? J'ai rien fait, moi! Pas de problème! Cours! Oh là 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 là! J'en ai marre de courir! Mais Arnaud!
J'aurais dû m'en douter. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne doit se fier à personne, Hugo. Ça ne finit jamais bien. Ça se passe toujours mal. Toujours. Pourquoi ? On y retourne. C'est trop tard. Non. Parfois, les choses tournent mal, mais tu peux les changer. Comment ? Comme on l'a toujours fait. On se bat. On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal. On sauve ton rêve. Il faut qu'on y retourne, discrètement, si possible. Si Arnaud est mort, ou s'il a tué le comte... On improvisera, souviens-toi. On est doué pour ça. Oui, sacrément. Alors, il y a quelque chose en haut. Il y a rien pour grimper là. On est dans une étape. Il doit bien y avoir quelque chose. Ah. Voyons voir. Mettons-nous au travail. Alors, puisqu'on a obtenu le succès, puisqu'on a obtenu les 5 succès plutôt où il fallait tout améliorer, maintenant on peut se permettre d'améliorer ce qui nous fait plaisir en fait. Alors, l'arbalète, ouais. Je vais la charger quand même plus rapidement parce qu'elle est un peu lente. Ouais. Une jarre supplémentaire aussi, c'est pas mal. Mais en même temps, des carreaux en plus, c'est pas mal aussi. La fronde plus rapide, c'est aussi une bonne idée. Tout est une bonne idée, en fait. Oh là là. Ouais, la jarre aussi, c'est bien. Bon, on va prendre la jarre. Ça a l'air très bien. Et je peux encore... Ah bah, plus rien améliorer. Ouais, on va prendre... On va tout mettre au niveau 1, au moins, minimum. C'est ce qu'il me fallait. Voilà. Ok. Alors, comment je fais pour monter... Coffre là aussi. On est directement sur la place. Fermé, bien sûr. Regarde, là-haut. On pourrait monter et passer par-dessus. Oh, c'est trop haut. Trouvons quelque chose pour nous hisser. D'accord. Il y a un trou là. Attends. Ah, vas-y. T'inquiète pas, je sais. Hugo ? Là. Viens, mettons ce chariot en place. Ah, voilà. Et on va juste vérifier s'il y a quelque chose. Il y a un coffre aussi là. Parfait. One, two, three. Mais au fait, pourquoi Arnaud s'en est pris au comte ? Il a dit que c'était de la faute du comte si son bouclier est cassé. Voilà. Monte. On monte. Oui. Non, oh, il est trop chou, il vient me donner un coup de main. Fais attention. Je vais juste prendre le coffre, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mmh, 11 fragments, c'est pas mal. Je vais augmenter mes stocks quand même. Et je vais préparer ma fronde.
Oh là. Oh non. Vite, baisse-toi. Je suis peut-être sale, mais mon oiseau vaut bien trois hommes. Oh, il est resté pour tuer. Tu peux l'arrêter? Il est trop rapide. Il mourra avant que je vise. On doit détourner l'attention du faucon. Je vais essayer de l'attirer ailleurs. On bougera d'une cachette à l'autre quand il attaque. Tiens-toi prêt. Je sais où vous êtes. Vous pouvez pas vous cacher. Okay. Alors, on va lancer des cailloux par là-bas. Caché, pourquoi tu m'attaques encore une fois? T'as rien fait, mec. Mais arrête! Oh, vous voulez jouer à ce petit jeu? Ah, y'a un truc là-bas. Ouais, non. Alors, bah là. Je suis décoiffé, hein. Attaque. Vas-y. Vous finirez par commettre une erreur. Je crois pas, alors. Faut que j'aille... Faut que j'aille là-bas. Allez, ouh, il m'a rasé les cheveux. Il m'a rasé les cheveux, ce machin. Je sais que vous êtes là. Attends, j'ai vraiment la sensation qu'il est en train de me raser. Tellement ça vibre dans la manette, c'est impressionnant. Monte tout en haut. Voilà. Ça, pas de question, pourquoi il a pas arrêté, j'en sais rien. Je vais y finir chaud. On a eu chaud, mais on a réussi. Il était méchant, cet oiseau. Où est cet imbécile, pardon. Écoute, des bruits d'épée. Oui, oui, vite. Ils sont là. Le comte est vivant. Tu peux l'arrêter. Ferme-la. Je vais te tuer, comme j'ai tué... Qu'est-ce qu'on fait? Tu es le seul fautif. C'est ça son armée? Une fille et un gamin? Non, non, attendez. Victor, arrêtez. Emily. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. C'est vrai, ça. Soyez sans crainte. Bien sûr, ma chère. Je tuerai ta catin, contre. Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Tu as toujours été une honte pour l'ordre des chevaliers. J'aurais dû régler ton cas plus tôt. Est-ce que ça va? Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. D'où connaissez-vous ce monstre? Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses intentions contre vous, monseigneur. Si vous n'êtes pas des bandits, qui êtes-vous? Amicia. Et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Rassurez-vous, plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Accepterez-vous d'être nos hôtes pour le dîner? Vous êtes sûr? Enfin... Oui, Emily a raison. Vous l'avez bien mérité. Suivez-nous. Je sais pas, je sens que ça sent mauvais là, ça pue. Ça sent le guet-apens. Hugo, viens. Alors, comment trouves-tu ce balcon? C'est vraiment votre maison? Oui. Et tu es chez toi. C'est incroyable.
Venez, entrez donc. Waouh, c'est grand. N'est-ce pas? Et ce n'est qu'une petite partie du palais. Oh, voulez-vous quelques dattes avant de rejoindre votre chambre? Des dattes? C'est quoi? Un fruit, Hugo. Je peux? Bien sûr. Merci, votre grâce. Doucement, Hugo, s'il te plaît. Oui. Tout cela peut paraître solennel, mais je vous en prie. Ici, je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les jours radieux, le bon peuple de Lacuna ne fait plus qu'un. Uni autour de l'enfant. Alors? J'adore. Un bon vivant. Attention, c'est un fruit très nourrissant. Dites-moi, d'où venez-vous? De Guyenne. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver une vie meilleure. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez bien fait de venir ici. Continuons. Vous devez être éreinté après toutes ces aventures. C'est incroyable. Je sais. J'ai hâte de voir notre chambre. C'est beau en tout cas. Agnès, préparez une chambre pour deux, je vous prie. Tout de suite, mère. C'est sa maman? Non, c'est symbolique. Et voici nos jardins, mon endroit préféré. Splendide. Oh, ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui, ne sont-ils pas jolis? Vous êtes bien jeune pour un si long périple. Où sont vos parents? Maman est quelque part. Mais papa a été tué. Par qui? Comment? Hugo. Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Tu vois ces plantes? La plupart d'entre elles ne viennent pas d'ici. Mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Elles sont comme nous, tu sais. On boit de l'eau? Et nous avons besoin de bonne terre, d'amour et d'attention. Cette île peut t'accueillir si tu souhaites grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera. N'est-ce pas, Amicia? Merci infiniment. Tout à fait. Vos mots sont pleins de bonté et de vérité. J'aimerais vous montrer autre chose. Victor? Bien sûr. Viens, Hugo. Cette terre est vigoureuse. L'enfant des braises lui insuffle la vie. Nous avons créé les jours radieux pour l'honorer, dans l'espoir qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. À nous, sa mère et son père. Au bon peuple, nous le prions, non pas comme un dieu, mais comme notre enfant endormi. Nous l'aimons, nous le vénérons, pour raviver sa flamme. Accepteriez-vous de prier avec moi, à votre manière, si vous voulez? Bien sûr. Hugo? Je vais prier l'oiseau. Une humble flamme, pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever, un soleil, un fils, si radieux? Si radieux. Si radieux. Merci. Ça me touche. Pouvons-nous continuer? Pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et prier pour notre père? Hugo? Oui. Bien sûr, je comprends. J'attendrai. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Cher papa. Hugo, c'est vraiment ton oiseau. Regarde-le attentivement. Ah, oui, je le sens. Son bec est pareil et je le sais, c'est tout. Bien, très bien. Retournons les voir et pas un mot de ça à qui que ce soit, d'accord? C'est notre secret. Je sais. Alors, elle est par là. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui. Les nouvelles robes sont splendides. Ce sera parfait. Excusez-moi. Oh. Êtes-vous prêt? Oui. Je sais pas pourquoi je sens que je vais être sacrifiée. Nous je sais pas pourquoi. Que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant porte en lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. C'est absolument vrai. Nous y sommes. Entrez. C'est beaucoup trop. Mais non. Vous êtes nos invités. Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas, Amicia. Chut. Oh,
Il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud ? Hugo ! Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais tu pourras témoigner à son procès, si tu le souhaites. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer Lacuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gentes dames. Les lits sont robustes. Allez sauter dessus. Oui. En tout cas, la chambre, elle est magnifique, hein. Bon, eh bien, voilà, hein, chapitre 8 relativement court, vraiment très court, où là, on a pu recueillir donc une plume de souvenirs, le succès du lancer parfait, un peu plus compliqué que tir parfait avec les pommes de pin, parce que la visée sur les, avec les pots, elle est beaucoup moins précise qu'avec la fronde. On n'a pas eu de coffre secret. Et étant donné qu'on va attaquer le 9e chapitre et qu'il nous reste encore plus vraiment beaucoup de chapitres, on n'aura pas forcément, je pense, à chaque fois un coffre secret ou une plume ou un... Quoique peut-être les souvenirs, si, quand même. Mais voilà, je pense que dans les prochains chapitres, on n'aura pas forcément à chaque fois une plume, une fleur, deux souvenirs et un coffre. Donc il va falloir qu'on soit doublement vigilant. Bon, bah moi sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir été présent pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et à vous abonner, à mettre également un pouce vers le haut. Retrouvez-moi également sur Twitch. Je suis aussi sur Twitter si jamais vous me cherchez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.